here. Ain't nothing but calm and clear. No pain, no trouble, no fear. I'm a hot shot stacked up here. So take a walk. No time to talk. This is the final warning. I'm just saying, I'm not playing. Take a walk. No time to talk. Ensuite, le cadeau que tu lui as donné. Droite. Gauche, 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 gauche. Milieu. Gauche, gauche.
Alors, cache. Vanessa, cache. Lauriane, Stella. Mais qu'est-ce que j'ai. Ça, c'est ah, quoi c'est oh ah ah ça, c'est le pénis que tu lui as fait. Ça me correspond bien. Ça me correspond. Ça, c'est le cadeau pour plus tard. Donc, Laurie, t'as une playlist et toi, c'est là, t'as donné le petit macaron. Et vu que bien tout ce qui est un peu chic, tu vois. Ça lui va bien aussi. Ça c'est bien. Hein. Moi je valide. Hein. Mais attends, je comprends pas. Je valide quoi? La lingerie. Bah, c'est un c'est cadeau. Un cadeau qu'elle lui a fait. Donc c'est, c'est lui qui va mettre la lingerie. Mais non. Mais c'est pour c'est la un cadeau pour lui. C'est pour lui. Il va être content. Quoi. Parce que moi j'imaginais dans ses lits il va mettre la lingerie là. Après, c'est un cadeau pour les yeux. T'es là. Là tu fais voilà un petit cadeau. Oh merci, je voulais trop. Allez, à bientôt. Ton premier arrêt, donc comme ça, c'était là. Droite, je voyais, je regardais déjà celui de droite. Oh, c'est oh pour ça, oh Arcade et Stella et Vanessa Cinéma. Voilà. Donc Stella Arcade, Vanessa Cinéma et Laurie Coffee Shop Library. Ce qui lui va très bien. Voilà. Oui. Ensuite, le restaurant. Droite, droite Vanessa, gauche. Stella, Laurie. Il y en a une qui va être contente. C'est McDo. Laurie, c'est McDo. En vrai, Stella, c'est au milieu. Des fois, j'ai des Stella, goûts. Stella, c'est un resto trichy. Resto chic. Et Vanessa, c'est un petit italien un peu sympa, tu parce vois. Que genre. Italien, voilà, c'est sympa. En vrai, genre un peu décontracté, tu vois. Genre, pas comme Stella, pas non plus trop. Ouais, trop regarder. Stella, c'est très bien. Par contre, je tiens à dire, on est habillés, genre bien DCBG, bien. Vous avez le McDo? En vrai, c'est super bien content, hippie chic et on parle de trottinette. Mais en vrai, c'est marrant comme date. J'ai dit que j'avais débarqué en trottinette au resto chic. Tu sais, il y a le mec dessus. Comment on appelle les gens qui viennent prendre ta voiture? Les voituriers. Ouais, il y a un voiturier qui arrive. Tu lui mets les. Merci de la guérir. En plus, un courbier comme ça. Garde la tête. Alors ensuite, donc là vous allez après l'instant. Vanessa. J'avais plus le temps de regarder l'écran. Vanessa. I'm fast as fuck, boy. L'Oréal, Stella. Moi je suis quoi? L'Oréal. Oui. Vanessa, okay. Stella. Alors. Vanessa, elle va dans un rooftop. L'Oréal, concert. Stella, fête soi-même. J'adore. Tu vas à un concert ça va, ça va. Après, j'aurais peut-être dû le concert. Hein. Bah, lui, non, c'est rooftop avec petit vin de. Ça me va. Moi, ça me va, hein. Champagne, c'est très bien. Hein. Bah, lui, il prend un petit vin de whisky ou il a un verre de champagne. Et on se met dedans et je me mets à ma lingerie. Peggy 18. Là, vous êtes. Oui, mais ça va. C'est très calme. Peu de jacuzzi. Peu de jacuzzi. Bref. Alors, ensuite. Ça milieu. Surprise! Il y en a une qui va être très contente. J'ai choisi droite. Droite, Laurie, Vanessa, Stella. Oh! C'est l'heure de demander à mariage! Trahison! Disgrâce! Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais c'est pour ça, j'ai compris, mais là tout fait sens. Tu sais, c'était genre un petit prank avant de m'emmener. C'est ça, je m'amuse avec le second de Marielle. Attention, attention. Oh my god. Attendez. Le thème c'est. Il y a une personne qui a des sentiments pour vous et qui vient interrompre votre date pour vous dire ses sentiments. Attendez là. C'est vrai qu'il a des sentiments. Oh mon dieu, ses sentiments. Vanessa. Gosh. Le milieu. Stella, Lauriane. Alors, qui allez-vous choisir? Non, je préfère qui tu as choisi. Je la kiffe, mais je reste. Charlie, moi je t'aime. La première fois, elle est géniale, vraiment. Toi, tu choisis qui? Moi, je. Tu veux pas ton autre point? Après, je sais pas. Avec un sugar daddy. Regarde, c'est beaucoup à ce regard. C'est un sugar daddy. Allez,
Vous avez aussi des petits défauts, vous pouvez être trop hésitant et ça peut agacer très rapidement votre entourage sur des toutes petites décisions, mais surtout pour de grands engagements. Choisis. Si t'hésites, ça veut dire que tu veux le deuxième, sinon t'es... Sinon non, ça c'est marrant comme date et tout. Maintenant, refaites votre... Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ton date? Attends, tu nous as pas raconté, vas-y, raconte ton date. Alors, en gros... Il m'a invité à un date et tout. Non, je te jure. C'est ouais, non, mais je savais pas qu'il allait manger. Choquée. Donc, j'ai mis une belle robe, vous voyez, ouais, avec un petit style un peu robe grunge, tu vois, genre pour être. Ah ouais, tu vois, pour être en match avec lui, tu vois. T'as du film, ouais. Ensuite, lui, tu vois, tu as t'es qui, toi? Par contre, vous ne coupez pas, désolé, mais ça, comme histoire. Ok. Lui, il portait un beau petit t-shirt avec un t-shirt et tout, style rock, un peu grunge aussi, totalement zizi. Wow. On avait sexé, tu vois, genre c'était incroyable, trop beau. Il m'a emmené dans sa voiture mauve purple. Mais avec non. Des phares cœur. Oh my oh god, je te jure. Et il l'a offert. C'est pas de wow. Ça, c'est un petit bonus. C'est un petit bonus. Et il me l'a offert. Wow. Ensuite, il m'a offert à l'intérieur de la voiture en fait. Il y avait une petite boîte, et à l'intérieur de cette petite boîte, il y avait des petites fraises en chocolat et la couleur c'était mou pastel, genre c'était trop bon. Oh mon dieu! Genre il me connaît trop bien parce que je suis une balise, tu vois. Ouais! Dans la nourriture. Oh my god! Moi j'ai voulu lui faire une petite surprise. Mais c'est bon plus tard. Donc c'est bon plus tard. Je lui ai donné en photo parce que je les avais sur moi. C'est des sous-vêtements. Non. Oh, de la lingerie! De la lingerie! Oh, on a eu! Du coup, on voyait une photo de moi avec, tu vois. Je lui ai dit, c'est très gentil, c'est ça. Il a rougi, il est trop mignon. Enfin voilà. Ensuite, on est allé au cinéma. Il a vous avez touché vos mains dans la popcorn, et voilà, j'ai la main dans la popcorn. Il a peut-être eu un bisou. Tu es un vampire, tu es froid. Your skin is pale white and ice cold. You know what you are? Vampire. Je ne fais pas l'amour. Je brutalement. Je suis le Super Saiyan Son Goku. Ensuite, on est allé dans un petit restaurant italien trop mignon. Genre, il y a plus fun à avoir les origines, tu vois, parce qu'il me connaît pas. Ouais. C'était délicieux, les pasta et tout. Miam. Ensuite, pour le soir, pour finir en beauté, on est allé sur un petit rooftop. On a pris quelques verres de champagne. Trop mignon. On s'est bien mis, il y a peut-être eu quelques petits. Je ne rentrerai pas dans les détails. Please, but don't tell. Débarquer avec un Louis Vuitton, j'ai pas compris. Mais what the fuck? Bah attends, mais c'est trop pour moi, tu vois. Enfin, je peux pas accepter. Et ensuite, une voiture et un Louis Vuitton. Attends, on me dit pas que t'es mauve. Non, ah, vous avez pas vu, mais il y avait deux sacs. Hein. Deux sacs. Mais le malade. Le mec qui t'achète une voiture, deux sacs Louis Vuitton. Ah bon, mais je fais des cartes. Et du coup, je suis contente. Après, je lui ai dit que franchement, dès que je deviendrai riche grâce à mes singles, parce que ça va être mon conducteur, etc. Dès que je deviendrai riche, je lui achèterai au moins 4 Louis Vuitton et 2 bagnoles pour compenser, tu vois. Voilà. Et il s'est passé un truc de ouf. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un quelqu'un. Vous n'allez pas le croire. Qui a rigolé. Le patron. Pourquoi? Il a débarqué et il a dit: Vanessa, en fait, je t'aime depuis toujours. Mais non, Mike, je vous jure. Je vous jure. Non, Mike drop. Et t'as fait quoi? T'as fait quoi? Et moi je te montre. Attends, tu vois, elle avait ses petites lunettes et tout là. Oh my god. Et moi je dis. Ok. Tout ce time to speak. Lui aussi il était en mode. Pardon, tu vois, ça se voit, il déchire quoi. Voilà. Et moi je dis, c'est vrai que j'apprécie les hommes intelligents. Voilà, et que vous avez beaucoup de choses. Je suis en tout ça. Mais j'avoue que j'ai beaucoup trop de sentiments pour laisser votre chance. Je suis sincèrement désolée. Je lui ai dit vraiment, je lui ai dit que j'étais très désolée. Parce que j'en suis sûre que c'est une personne très intéressante et tout. Oui, monsieur. Mais voilà, j'ai beaucoup trop de sentiments pour mon bébé. Sorry.
Nasori. J'ai préféré rester ouais, avec ton petit cheveu. Voilà, en plus, avec ton petit miam-miam. Alors, Stella, j'ai entendu que t'es allée à un date. Moi, j'ai une aussi. Oh putain! Non, mais c'était assez surprise parce qu'en fait, c'est. Putain! Qu'est-ce que j'ai dit de fou? Ouais, non, j'ai pas dit de malade quoi. Du coup, j'étais assez stressée, mais j'ai décidé de prendre un petit moment. Ça, elle est tellement choquée, elle est choquée des événements. Du coup, j'ai essayé de faire un site un peu, voilà quoi, genre très. Genre là, genre comme ça. Ouais, genre vraiment un petit truc. Cool quoi, genre j'avais un petit truc vert en haut, tu vois, genre un vert un peu Ouais, et avec un pantalon un peu crème et tout, enfin vraiment très bohème, très joli. Il se ramène, les gars, il avait un petit truc vert. Comme ça, assortisseur quoi. Genre on était. Genre assorti ? Assorti ! Putain ! Et genre on a même pas fait de sans se parler avant. Sans se parler vraiment. Dinguerie. C'est déjà un signe. En plus, il est venu me chercher avec un petit Vespa mauve. Oh mon dieu. T'entends rire, t'entends rire. Et genre, c'était vraiment trop mignon, genre en mode de petite balade, tu vois. Ah, c'était trop bien. En plus, le casque était mauve aussi. Comme ça, voilà, genre, les cheveux roses. Je me sentais telle une actrice, vraiment. Et tu le tenais comme ça. Genre avant qu'on monte et tout, il m'avait apporté un petit cadeau. Genre c'était un petit ours en peluche. La tête est comme un ours. On l'a appelé Sunshine. Oh. Ouais, trop mignon. Et du coup, moi, je vais lui ramener un petit cadeau aussi. Oh. Je vais ramener des petits macarons. Voilà, des petits macarons, je me suis dit, ça va lui faire plaisir. Pour le rappel, je suis française, donc je t'amène des spécialités françaises. Voilà, j'ai hésité avec des cannelés, mais je me suis dit, bon, quand même. C'est encore, on est niveau débutant. Voilà, encore, les macarons, on sait qu'on est quand même très doués. Donc, voilà. Et genre, du coup, il m'a pas dit, il m'a fait petite surprise, on va. Et genre, on est allé à l'arcade. Oh, ouais, non, c'était trop bien. C'était trop trop bien, genre c'était trop drôle. Genre vraiment c'était éclaté et tout. Mais... C'est qui a gagné au basket? Lui. Moi, of course. Et au jeu de danse, tu sais, les trucs comme dans. Ah, mais ça fait lui. Je pouvais pas trop. Et genre t'es passé de l'arcade à quoi après? Et après, genre après l'arcade, il m'a dit ouais, qu'on va manger, je t'emmène dans un endroit. Alors c'est un peu différent, mais tu vas kiffer. Et genre il m'a amené dans un espèce de restaurant 5 étoiles, les gars. Ça sent l'argent. Du coup, dès qu'on a fini de manger, après on allait à la fête foraine. Oh, j'adore. Ouais, c'était trop trop bien. Vous avez fait quoi? Vous avez la grande roue et tout. On a fait des manèges un peu chill, tu vois, genre très romantique et tout, grande roue. On a fait des trucs anglaises comme ça. Genre. Et puis les poum-poum. Ouais. Le truc avec les cils là où vous avez pédalé en tando. On a même attrapé un petit poisson. Est-ce que tu l'as protégé pendant la maison hantée parce qu'il oui. C'est un peu relou. Non, il avait pas peur de ça, il avait peur d'un petit moustique qui était à côté. Oh, et genre, il a couru partout, il avait AAAAAAH. Et du coup, j'étais en mode. Je peux pas être un petit moustique, il était genre grave reconnaissant. Ouais, comme ça. Il m'a attrapé un poisson dans les trucs de poisson. Oh. Voilà, et du coup, on l'a appelé Nemo. Là les gars, non mais vous allez être choqués. Du coup genre on sort et tout de la fête foraine. Il m'emmène quelque part, il me dit j'ai fait un autre cadeau. Mais non. Et j'étais en mode attends, tu m'as déjà beaucoup gâté. Et là il me sort pas un bébé chien. Oh non. Un chiot. C'est trop mignon. Un chiot. J'étais choquée. Et vous l'avez appelé comment? Attends, il y a trop de prénoms. Purple Sunshine. On l'appelait Purple Sunshine. On l'appelle PS. Yes. Yes. C'est rigolo. Là les gars, mais genre coup de théâtre. Non quoi. Du coup on allait rentrer avec le petit chiot. Et genre là j'entends quelqu'un qui fait Stella. Et genre c'était une voix. Genre j'avais déjà entendu cette voix, tu vois. Mais c'était pas une voix d'homme. Et je me retourne.
et là je vois pas. Mais non, qu'est-ce qu'on fait Zola? Et j'aurais commencé à me courir après et tout. Et elle arrive, elle me fait Stella, je dois dire quelque chose. En fait, je t'aime. Mais non. Genre, ne pars pas avec moi. Ah, mais non. Mais je te jure. Putain. Et je lui ai dit non, vraiment, je vous adore. Voilà. Je t'adore. Bélièvre, croire en ses rêves. Et on t'adore et Bélièvre, croire en nos rêves. Non, vraiment tranquille, mais enfin, je suis désolée, c'est toi, mais t'as marié. Ouais. Mais vraiment, le mec n'a rien à faire. Et Laurie, j'ai entendu que t'es allée en dette avec mon mec. Quoi? Là. Genshin et tout. Et genre, tu sais, genre l'amour des gamers et des jeux vidéo. Ouais, 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 ça rapproche. Ouais, voilà. Je vois. C'est pour ça qu'il est ce con. En fait, du coup, après quelques mois genre, de jouer avec son Genshin et tout, en fait, on s'est dit, tiens, on va commencer à se fréquenter. Bah ouais, la dernière fois, genre en gros, genre, le dernier date qu'on a eu, c'était un peu quelque chose de spécial. Très spécial, ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en surprise, il m'a appelé, il m'a dit prépare-toi, mais toi, c'est en 31. Fais un truc de fou ce soir. Oh. Et du coup, genre, je savais pas trop à quoi m'attendre, du coup, genre, j'hésitais, genre, quelle tenue mettre, j'ai tout essayé. Je me suis dit, bon, allez, on va essayer de faire un truc un peu classe, mais pas non plus, genre, trop. Pas faire la meuf qui essaye trop, du coup, genre, je me suis mise sur un style un peu creepy, un peu classe, mais pas trop, genre, un petit pantalon, un peu de travail bien centré, mon petit pullover, enfin, j'étais bien. Ouais. Et il a sonné à ma porte, j'ouvre, et il est dans un outfit qui est un peu comme le mien, genre assez creepy, mais un petit peu plus, genre il a un petit costard. Vraiment, genre, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va sûrement aller dans un resto, hyper. Enfin, il me dit, genre, allez, viens, on va commencer à y aller, faut pas perdre de temps parce qu'il y a tout un projet, mais je te la putain, mais. Ouais, du coup, j'ai envie de dire, du coup, elle est où la voiture? Et en fait, il me dit, mais tu comptes quoi? Genre, regarde à côté de toi. Et là, je mets une petite trottinette, genre violette, mais genre toute petite. Et du coup, j'ai dit, mais tu te fous de ma gueule? C'est quoi ça? Tu sais que je sais pas faire de trottinette? Et il me dit, non, mais t'inquiète. One eternity later. Vraiment, j'étais trop saoulée. Et en fait, au bout d'un moment, genre, on s'arrête à mi-chemin. Je me dis, bah putain, j'en ai marre. Putain, j'en ai marre, je suis saoulée. Et en fait, de sa veste, d'un coup, il sort genre un gros bouquet de fleurs. Oh, et il me dit, genre comme ça, genre, tu sais, il me fait genre. Comme magicien. Oh. Et je suis là, genre, putain, mais ça sent doux, ça, mais tu crois que je suis d'humeur. En fait, du coup, c'est genre mes fleurs préférées. En plus, elles étaient violettes, du coup, j'étais là. Genre, j'étais saoulée, mais genre, je me suis fait à mettre quand même, parce que voilà quoi. Et genre, du coup, bah, même si j'étais saoulée, genre, j'ai pris dans mon petit sac, dans les cadeaux que j'avais préparé, parce que genre, j'avais fait une playlist spéciale, genre, j'avais passé toute la nuit à faire la playlist. Oh, là, genre, c'est un peu de trottinette. Genre, vraiment. Et du coup, genre, on repart, genre, sur la trottinette, et genre, c'est encore galère, et genre, je suis grave saoulée, du coup, genre, je descends de la trottinette et je marche à côté de lui pour qu'il tourne sa trottinette, et genre, on arrive dans une grande librairie, genre, trop belle. Et là, genre, il y a un coffee shop. Enfin, c'est un coffee shop, mais genre, il y a des livres partout, genre, c'est trop beau, genre, le style
vraiment trop. Genre Harry Potter. Académial, ouais, genre Dark Académial, genre vraiment tout. Du coup, genre, quand j'oublie le coup de la trottinette, genre, je suis là, genre. Parce qu'il sait que genre, j'aime bien le café et tout, pour avoir mon job, et genre, il sait que j'aimerais tellement avoir mon propre coffee shop et tout. Trop bien. Et du coup, genre, on achète genre quelques livres et tout, enfin, c'était. Trop bien. Et du coup il me dit maintenant il est temps d'aller genre au resto et tout. Et j'étais là non mais du coup là on va prendre un taxi ou un truc comme ça. Et il me fait bah non, je vais pas laisser ma trottinette. Et du coup je dis mais arrête pas ta trottinette, elle a dû coûter genre 25 €, c'est bon. Vas-y on prend Uber limite. Et il me dit bah non le resto il est pas loin. Du coup genre on repart, genre lui il est sur cette trottinette, moi je marche avec mes talons, en plus j'ai mal au pied et en fait d'un coup il s'arrête et je suis là genre mais il y a que des McDo, enfin il y a qu'un McDo et un Burger King genre et il me fait ouais bah on va au McDo. Et je suis en mode mais genre tu m'as fait m'habiller et tout, tu m'as dit McDo. Et on est au McDo genre c'est bon là, arrête un peu ta blague, je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais genre je comprends pas. Genre du coup on rentre au McDo et tout, genre il rentre avec cette trottinette, genre ça fait du bruit en plus, une petite trace de. Parce qu'il a roulé dans la boue, genre il y a une petite trace de boue. Du coup il y a les employés de McDo, ils me regardent grave mal, j'ai trop la langue, je lui fais mais laisse ta trottinette au bout, genre à l'entrée, il est là non, mais je sais pas qu'on vole ma trottinette, du coup, en tout cas il table près de l'entrée. Et bah au final genre tu sais filmer, c'est une caméra qui du coup genre en fait genre m'a dit bon j'ai pas mon Mac propre, je prends tout le temps et tout, genre du coup on mange un Mac propre et tout, il me dit vas-y fais-toi plaisir bébé, prends un Mac fleuri. Du coup genre tu vois, choper la carte bleue là 40 € de McDo. Du coup genre on a pris des Mac fleuri et tout, genre là il y a une voiture et je lui dis bah on va où. Et en fait genre il prend sa trottinette comme d'habitude, genre vraiment c'est poussé. Et genre il met sa trottinette dans le coffre de la voiture et genre on y va et je comprends pas où est-ce qu'on va. Et genre d'un coup, après avoir roulé pendant 40 minutes, on est en train d'un festival, voilà, on écoute de la musique, genre ça se passe bien et tout, genre on vibe. Attends, vous êtes dans une voiture? Oui, qui nous arrive, il y a genre les trois trottinettes, la plaque de la trottinette est dans la coffre. Vous aurez pu aller en trottinette, mais oui. Vous serez 3 jours après. Alors il y a plein de musique et tout, genre, on a un petit côté genre VIP, genre, je lui ai dit genre tu peux payer un concert VIP mais tu peux pas payer genre mieux comme McDo quoi. Mais genre il est là non mais vas-y un truc quand on est amoureux genre pas besoin de payer des trucs chers. J'étais là ouais bon vas-y il a raison mais il me saoule un peu quand même. T'as des trottinettes là, elle m'a saoulé. Elle va se rattraper. Et genre d'un coup il me dit j'ai besoin de pisser. Et genre je suis même jamais amusée genre toute seule, genre il y a plein de gens, il y a une chanson qui passe où il chante une chanson d'amour. Et en fait il chante la chanson. Et genre d'un coup genre il s'approche de là où je suis sur scène et il me tend la main et puis genre tu sais que genre je suis timide et tout, je me mets sur scène. Et genre du coup je monte sur scène et tout. Je sais pas comment dire, genre c'est là qu'on a annoncé genre d'un coup genre c'est gaffe visage où tu te fais. C'est passé quoi? Regarde la taille du diamant! Ah my! Oh, mais non! Le diamant, il est tellement lourd, des fois j'ai du mal à tenir ma main. Il s'est ruiné le pauvre! Genre le diamant, genre des fois j'ai du mal. En plus, c'est de l'émeraude. Oui, genre. Il me fait sa demande et tout. Et d'un coup, la musique elle s'arrête. Parce qu'il y a quelqu'un qui a le. Et il y a quelqu'un qui branche. Attendez! Quoi? Et je suis là, mais genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, là, je comprends pas, genre, la journée c'est remplie d'inattendus, genre, il y a trop de trucs inattendus, genre, je suis là, mais c'est quoi? Et d'un coup, il y a. Coucou! Ouais! Et genre, il arrive de toute sa taille, et genre, là, je me retrouve en film devant moi, derrière moi. Oh là là! Et genre, d'un coup, il dit. Le sandwich. Je suis désolée, mais je peux pas laisser passer ça. Oh. Et je suis là, mais genre, mais qu'est-ce qui se passe encore? Et genre, il m'attrape dans les poings, genre, il me retourne. Oh. Et je suis là, genre. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il me dit qu'en fait. Il y a eu un ralenti, hein, comment dire. Ouais. Il y a quelques mois, genre, on avait eu un. Un flirt? Ouais, genre, ça se passait, mais au final, il m'a dit qu'il avait peur pour sa carrière, et genre, ça m'avait saoulé, et du coup, genre. Et en fait, il m'a dit, genre, je regrette. Je m'en fous de ma carrière. Et je vais être avec toi. Oh! Et du coup, je suis avec toi. Et en fait, le truc, c'est que pendant un moment, tu vois, j'étais.
Parce que moi j'en peux plus. Non, tu vas prendre le bus, que ça guide. Vous êtes prête à remonter le temps? Ouais.